Bonjour à tous et bienvenue dans le Facebook Live du confinement. Deuxième confinement cette fois-ci, on est en direct du golf de Sainte-Maxime. Alors c'est un live spécial senior, j'ai le plaisir à nouveau d'être en compagnie de mon papa Marc Wallace. Salut papa. Hi, everyone. Alors du coup, pour ceux qui ont regardé un petit peu les lives qu'on a fait cet été au mois d'août, on a fait deux lives ensemble spécial senior. On a fait un live spécial fitting senior d'ailleurs pour vous parler un petit peu du matériel adapté pour les joueurs seniors. Pour l'anniversaire de mon papa, je lui ai offert un sac complet, le sac Titleist. Voilà le sac avec presque tous les clubs dedans. Il manque juste la série de fer qui est en train d'arriver cette semaine. Mais donc du coup, le but en fait de ce live, on va essayer de faire un live par semaine spécial senior et à chaque fois, on va parler d'une problématique fréquente qu'on voit chez les joueurs seniors. On va parler aussi de l'exemple de mon papa qui a transitionné dans le monde des joueurs seniors et de voir un petit peu comment lui s'est adapté finalement à cette nouvelle façon de jouer, voir un peu qu'est-ce qu'il est en train de travailler pour lui permettre de jouer tout aussi bien au golf, même si voilà, il y a certaines choses qui se passent quand on se transforme en joueur senior. Alors papa, ce que je te propose, c'est que je vais te poser quelques questions, et puis je vais te donner le micro, et puis quand je te donne le micro, je vais aller regarder s'il y a des commentaires aussi au passage, d'accord? Donc je vais me mettre derrière l'ordinateur, je vais voir si les personnes nous entendent bien, si on nous voit bien. D'accord. Donc d'ailleurs, c'est la première question que je voudrais vous parler. Promis, je le garde pas. Tu quoi ? Je garde pas le micro. Alors, je vais poser la question à l'audience, cette fois-ci, pour les personnes qui sont connectées. Alors déjà, premièrement, je sais que le live était annoncé pour 18h, mais comme vous le savez, maintenant il fait nuit beaucoup plus tôt, il fait nuit à 17h30. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est profiter de cette magnifique terrasse qu'on a ici au golf de Sainte-Maxime, avec la vue sur le golf de Sainte-Maxime, la maison du papa. Et regardez la magnifique vue qu'on a ici du trou numéro 7. Et non, on n'est pas sur le départ numéro 7, vous voyez qu'il y a le panneau du trou numéro 7 ici. C'est le panneau que mon père a récupéré il y a des années et puis il l'a mis dans le jardin. C'est toujours la vue qu'on a le matin quand on se réveille, donc on est plutôt pas mal placé ici. Mais avant de laisser la parole à mon papa, je voudrais vous poser la question suivante avant que j'aille derrière l'ordinateur regarder s'il y a des questions. Est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous nous voyez correctement? Si c'est le cas, mettez juste son OK, parce qu'on sait qu'en général la caméra marche plutôt pas mal. Mais si le son marche pas pour une raison ou pour une autre, merci de l'indiquer dans la zone de commentaires. Son OK, image OK. Et au passage, j'en profite pour vous demander de quel golf vous venez en France. Où est-ce que vous jouez habituellement? Dites-moi d'où vous venez en France. On est tous en confinement, mais j'adore savoir d'où vous venez en France. Okay, est-ce que vous êtes senior aussi? Et est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes joueur senior ou pas? Alors, sachez que tout ce qu'on va aborder durant ce live, on est parti du principe que ça s'adresse principalement aux joueurs seniors, mais si vous n'êtes pas joueur senior, vous inquiétez pas, parce que c'est des choses qu'on voit aussi en dehors des joueurs seniors. Et les solutions qu'on va vous proposer sont adaptées à la fois pour les joueurs seniors, mais aussi en dehors. Donc, même si le titre indique Live Spécial Senior, on s'appuie en fait finalement sur les problématiques qu'on voit au quotidien avec les seniors, mais c'est vraiment adapté à tous. Alors, papa,
Il y a quelques semaines, quand je suis descendu dans le sud de la France, on a filmé ton swing. C'est pas la première fois qu'on filme ton swing. Cet été, on en a parlé un petit peu des problématiques que toi, tu as connues quand tu as transitionné dans le monde des golfeurs seniors. Et est-ce que tu peux nous raconter, en quelques mots, quelle est la chose principale que nous, on a vue tous les deux, notamment dans ta façon de t'organiser, et quelles ont été du coup la conséquence par rapport à la problématique majeure qu'on a vue tous les deux quand on t'a filmé de face et de profil? Tout à fait. Alors, principalement, j'ai travaillé d'abord beaucoup au niveau de la physique, parce que j'ai décidé quand même, en fait, avec l'âge que j'ai, d'être un peu plus souple et plus fort physiquement, mais sans oublier les parties techniques. Et effectivement, après avoir fait une petite séance avec Lewis, qui m'a montré, en fait, par vidéo, mon swing, j'ai vu quand même que j'avais une erreur qu'on trouve assez fréquent chez les seniors, chez les amateurs aussi du week-end, c'est d'avoir une mauvaise posture. Et donc, on va parler quand même des conséquences de mauvaise posture, mais en fait, c'est quelque chose que, toutes mes années de coach, j'avais toujours, pas insisté, mais bien conseillé d'avoir une bonne posture, parce qu'une bonne posture va vous permettre quand même de faire donc une bonne rotation et d'avoir un swing quand même bien équilibré. Donc Lewis m'a montré, et en fait c'est assez choquant, parce que j'ai regardé mon swing quand même de temps en temps, etc. Mais c'est moi qui a regardé, mais c'est Lewis qui a regardé. Il m'a dit que la posture n'était pas bonne. Et c'était une posture en fait que on trouve souvent chez les seniors, c'est le fait d'avoir les épaules très arrondies. Donc c'est presque une position un peu lâchée, un peu feignant, je peux dire. C'est peut-être lié à le fait que toutes les années de coaching que j'avais fait sur le practice, où effectivement on regarde les gens, on a tendance à descendre un petit peu le haut du corps, peut-être un manque de force musculaire, mais ça, Lewis il va en vous parler. Effectivement, j'avais quand même une posture qui n'était pas ça. C'était rond, qui m'a obligé à faire des mouvements qui n'est pas tout à fait souhaitable. Donc voilà. Ouais, et en fait, justement, donc on parle des conséquences. Et donc souvent, en fait, quand je rencontre des golfeurs seniors pour la toute première fois, on me dit, Lewis, j'ai besoin de travailler dans mon backswing, j'ai un manque de rotation dans mon backswing. Lewis, j'arrive pas à descendre de la bonne façon, j'arrive pas à tourner le corps correctement. Et en fait, souvent, c'est une conséquence de ce qui se passe à l'adresse. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même si, à la base, quand on parle de posture, ça n'a pas l'air sexy et attractif comme ça, sachez que des fois, en fait, l'amélioration d'une rotation peut se faire à travers une amélioration de la posture à l'adresse. Et en fait, il faut savoir que tout part de l'organisation. Si vous êtes mal organisé, déjà vous mettez aucune chance de votre côté pour utiliser votre corps qui est le moteur du swing correctement. Et donc du coup, la première chose qu'on a constaté au niveau de mon papa, c'est effectivement qu'il y avait ce dos, si tu peux montrer d'ailleurs le dos un petit peu arrondi. Alors dans ma position naturelle que j'aime, c'est ça. Là je me sens bien. Et effectivement, là on voit que j'ai le dos quand même, voilà. Alors déjà la posture c'est largement améliorée par rapport à ce qu'on s'est vu cet été, mais quand on s'est vu cet été, aussi la tendance qu'on voit chez les joueurs seniors, et puis même les joueurs qui ont tendance à se fatiguer rapidement sur le parcours, c'est que du coup quand on se tient devant la balle, les épaules commencent à descendre un peu, le dos un petit peu plus arrondi, et puis là on commence à entrer dans cette posture, ce qu'on appelle en anglais C posture, parce que C, posture en C, parce que la posture ressemble, le dos ressemble à un C, vous voyez, un arrondi, un C comme ceci. Et ça, le problème avec ça, c'est, et d'ailleurs vous pouvez faire le test de la maison pendant que vous nous regardez, je suis sûr que vous nous regardez depuis chez vous, je l'espère, si vous êtes en confinement. Mais attention, je suis super à l'aise comme ça, hein. Franchement, je me sens bien, mais effectivement, c'est pas ça. Alors, ce qu'on va faire aussi, je précise à travers ce live, c'est qu'on va vous proposer des solutions, donc des exercices que vous pouvez faire de chez vous durant ce confinement, mais également des façons de contourner cette posture en C, parce qu'il y a des grands joueurs d'ailleurs, le plus grand joueur de l'histoire, Jack Nicklaus, qui jouait avec un dos qui était légèrement bombé, avec un dos qui était légèrement arrondi, pardon. Donc du coup, il y a des façons de contourner ça, mais ce qu'on voudrait en parallèle, c'est quand même améliorer les capacités physiques pour se retrouver dans une posture un peu plus neutre, ce qui en retour va vous améliorer à tourner d'une façon un peu plus optimale. Donc du coup, papa, si tu peux te remettre en position, cette fois-ci sans le club, et vous pouvez faire le test à la maison, hein, parce que je vais faire un test avec mon père, et je vais lui dire, ok, est-ce que tu peux te mettre les mains sur les épaules, voilà, on croise, et puis arrondis le dos comme tu faisais d'habitude cet été. Ok, et maintenant, je veux que tu tournes le plus possible à la montée. Ok, donc stop, bouge pas, ça c'est le maximum, ok? Donc regardons un petit peu jusqu'à où tu peux tourner. Donc voici la rotation maximale avec un dos arrondi, ok? Alors maintenant reprends ta position, normale, redémarre à zéro, sans les bras croisés, voilà, remets-toi bien droit, bras croisés sur les épaules,
Maintenant, posture avec un peu plus droit. Voilà, maintenant incline le buste vers la balle. Et maintenant, tourne. Ok. Et donc là, on remarque, vas-y, arrête-toi à la montée. Et là, on constate qu'il y a beaucoup plus de rotation. C'est clair. Ok. Je peux juste ajouter aussi que par conséquence, avec cette mauvaise posture, où j'étais très donc, arrondi comme ça, en fait, la compensation que j'ai fait pour le manque de rotation, c'était de remonter un peu. Donc en fait, je faisais un mouvement un peu comme ça, où j'ai monté carrément ma tête de 3-4 cm. Et encore plus quand j'étais fatigué. Donc les conséquences, effectivement, c'est qu'à la descente, j'ai obligé de compenser. Et voilà, et là, tout d'un coup, voilà. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que votre corps a son propre cerveau. Donc il est vraiment très intelligent. Donc si à un moment donné, vous n'arrivez pas à obtenir la rotation que vous désirez dans le backswing parce qu'il y a cette posture qui est en C, donc arrondie, ce qui va automatiquement se passer, c'est que le corps va essayer de chercher de la rotation autrement. Et donc du coup, c'est là en général où il commence à avoir des compensations. Donc, bon, quand mon père dit, voilà, j'avais tendance à redresser l'épaule gauche, c'est une autre façon de dire que le corps, en fait, cherchait à créer de la rotation autrement, dû au fait que, puisqu'on était dans une posture arrondie, l'épaule gauche va se redresser pour essayer d'aller chercher de la rotation quelque part. Et donc, la mauvaise chose à faire, ça serait d'essayer de corriger le backswing, alors qu'en fait, c'est une problématique qui, à la base, vient de la posture. Vous l'avez vu à travers le test, j'espère pour ceux qui sont là depuis le début du live avec nous, pour ceux qui viennent de se connecter, n'hésitez pas à re-regarder ce live en replay. Mais donc du coup, rapidement, ce qu'on faisait, c'est papa, alors main bien sur les épaules s'il te plaît, donc dos arrondi, voilà, donc ça c'est la première rotation, vas-y, tourne le haut du corps, pardon, voilà, donc ça c'est la rotation maximale avec le dos arrondi, n'hésitez pas à le faire à la maison de chez vous, vous allez voir que le test est assez flagrant. Et maintenant, retiens-toi droit, voilà, incline le mets les mains sur les épaules, bien sur les épaules, incline le buste vers la balle, et là maintenant, tourne. Et là, tu sens qu'il y a beaucoup plus. Ok, donc. Il n'y a pas de gêne. J'ai pas besoin de remonter le corps ou de raidir la jambe droite pour compenser. Même si c'est peu visible quand vous me regardez taper, je l'ai, dans la vidéo, on a bien vu que j'ai compensé par un mouvement de relèvement comme ça, avec la jambe droite un peu trop raide. Voilà, là, donc là, je me sens. Voilà, moi, on dit. Et voilà, beaucoup plus libre de tourner et de rester sur. Parfait. Donc ça, c'est déjà la première chose que vous pouvez faire. C'est de vous mettre dans cette position-là. Le matin, quand vous réveillez pour un petit réveil matinal, un petit réveil musculaire, ce que j'appelle un réveil de swing, c'est que vous réveillez le matin et puis tout de suite vous mettez dans cette posture, les mains sur les épaules, et puis là tout simplement c'est un exercice qui existe depuis le début des temps. Par contre, le fait de faire le test avec le dos arrondi et le dos bien droit, vous allez voir que ça change complètement la dynamique de la rotation dans le backswing. Et donc cet exercice prouve que la rotation est vraiment influencée par la position de départ, d'accord? Donc la position de départ va influencer énormément ce qui va se passer par la suite. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous proposer une solution, un exercice que vous pouvez faire de chez vous pour encore plus au-delà de cet exercice qu'on vient de faire, mais pour travailler la rotation et en même temps pour travailler l'équilibre, la puissance, tous des choses que les golfeurs seniors veulent. Parce que ce qu'on constate souvent, papa, c'est que les golfeurs seniors, comme toi aussi, c'est qu'on perd beaucoup de points d'appui au niveau du bas du corps. Le bas du corps est en fait beaucoup moins solide qu'avant. Donc, quand on transitionne chez les golfeurs seniors, donc il faut constamment en train de travailler l'équilibre dynamique de façon différente, que ça soit sur le practice ou même à la maison. Et ce qui est top, c'est que à la maison durant ce confinement, vous pouvez tout à fait travailler sur l'équilibre sans taper une balle de golf. Et d'ailleurs, depuis le confinement, on a commencé dimanche notre petite préparation physique, peut-être qu'on vous en parlera dans les prochaines semaines, mais il y a deux choses essentielles qu'on bosse avec mon père: le travail du bas du corps pour avoir des meilleurs appuis et puis avoir une meilleure stabilité, tout ça en bas, avoir des meilleurs quadriceps, des meilleurs fessiers, parce que lui, il a travaillé pendant le premier confinement principalement sur le haut du corps, donc il a eu des belles épaules et des beaux bras qui ont fait le plaisir à ma mère, mais le bas du corps, lui, il s'est retrouvé avec des jambes un peu trop fines. Donc du coup, on essaie de muscler un tout petit peu le bas du corps durant le deuxième confinement pour qu'il puisse avoir de la puissance quand il ressort de ce confinement. Ça, c'est la première chose qu'il travaille. Et la deuxième chose qu'il travaille, c'est cette posture, justement, de corriger en fait le dos qui était arrondi pour avoir une posture beaucoup plus neutre avec beaucoup plus de puissance dans le bas du corps, ce qui va lui permettre de, un, avoir plus de rotation grâce à une meilleure posture, et deux, aller engager et chercher plus de vitesse de club grâce à des appuis qui sont beaucoup plus solides. Oui, je voulais juste ajouter aussi au niveau de la fatigue, parce que c'est important quand même d'avoir les bonnes jambes
parce que bon, à la jeune époque, on faisait donc un jour d'entraînement et quatre fois 18 trous. Donc la fatigue. Ça veut... ouais, en une semaine, tu faisais 4 fois 18 trous, plus la journée d'entraînement. Ouais, et là, maintenant, c'est vrai qu'effectivement, avec l'âge, on quand même fatigue relativement vite. Et le faire de faire 2 parcours de suite ou 3 parcours, bah, ça demande quand même de la force physique quand même. Donc il va avoir quand même les jambes qui sont costauds, qui tient le corps. Parce que dès que les jambes lâchent, on a marqué, hein, 5-6 trous de fin, dès que les jambes lâchent, bah, tout lâche. Et les jambes vont aussi influencer la posture. Parce que si les jambes ne fonctionnent pas, le haut du corps va prendre le dessus. Quand le haut du corps prend le dessus, on a en général ce dos arrondi. Et puis quand le haut du corps aussi dans le backswing et dans le downswing prend le dessus, en général, il ne se passe pas forcément les meilleures choses. Donc du coup, un petit exercice pour vous permettre de travailler l'équilibre et la rotation en même temps. Donc vous avez remarqué peut-être que je suis pas pieds nus, mais je ne suis pas en chaussures de golf. Et la raison est simple, c'est parce que l'exercice que je vous montre, je voudrais que vous le fassiez sans chaussures de golf. Okay, pour travailler les appuis, c'est très important de travailler les récepteurs qu'il y a en dessous des pieds. Et des fois, quand on travaille avec des chaussures de golf ou avec des chaussures de sport, en fait, on est vachement aidé par les talons des chaussures de golf et les talons des chaussures de sport. Et le but, c'est un peu de réveiller les proprocepteurs qui se trouvent en dessous des pieds pour un peu travailler justement les jambes de la meilleure façon. Donc, je vous encourage vraiment à faire cet exercice sans chaussures, que ce soit chaussures de golf ou sans chaussures de sport. Okay ? Donc, la façon que vous allez faire, c'est tout simplement, papa, si tu peux juste tenir le micro devant moi. Je vais reprendre mon exercice où je vais mettre les mains en fait sur les épaules. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le pied droit légèrement en arrière et je vais le lever. Donc, la position, en quelque sorte, on peut l'appeler le flamant rose pour les connaisseurs. Okay ? Donc, le bras sur les épaules, je m'incline vers la balle. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais créer énormément de stabilité sur cette jambe d'appui, la jambe gauche. Et je vais juste aller chercher de la rotation dans le backswing tout en conservant la stabilité du bas du corps avec sur la jambe gauche. Et donc, je peux m'amuser à en faire une dizaine dans le backswing, comme ça. Et le but, ce n'est pas de le faire vite. Hein. L'objectif n'est pas d'arriver comme ça et puis de faire 10 rotations très rapidement. Remarquez comment je travaille lentement. C'est quelque chose que, aussi, que je suis en train d'apprendre à mon père dans les préparations, dans les séances de préparation physique. Travailler en excentrique, donc travailler beaucoup plus lentement sur des 3 à 4 secondes. Là, et là, je reviens. Boum. Là, je reviens. Une fois que j'en ai fait 10, je peux travailler de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, sur le côté droit, et là je vais plutôt travailler la traversée. Vous voyez que là je dois, moi mon côté droit c'est mon côté faible, donc c'est vraiment le côté que je dois travailler le plus. Là, et je peux aussi faire du backswing et de la traversée. Donc exercice tout simple, je vais vous le montrer, papa, si tu peux juste te mettre devant moi, parce que je vais le montrer également de profil pour ceux qui n'ont pas pu voir. Donc pareil, je me mets en position, bras sur les épaules, juste là, bras sur les épaules, poids sur la jambe gauche, je lève le pied droit, position du flamant rose, j'incline le buste vers la balle et à partir de là, rotation. Et l'objectif, c'est vraiment de garder la stabilité à travers les 10 rotations que je suis en train d'effectuer. Et là, pareil, le but, c'est de garder le dos bien droit, position de golf sur une jambe, et là, en fait, d'effectuer quelques rotations. Donc, je suis en train de travailler, en fait, la rotation du haut du corps en gardant de la stabilité dans le bas du corps. Deux choses qui sont essentielles, hein. Si vous voulez créer de la puissance et de la régularité au niveau de votre frappe de balle, on doit créer de la stabilité au niveau du bas et on doit créer de la rotation au niveau du haut. D'accord ? Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux juste montrer quand même la bonne posture ? Comment on doit se placer devant la balle ? Je crois que c'est important de revoir un petit peu les bases. Avec moi, peut-être ? Bien sûr. Mettons en position. Alors, je vais prendre quand même un club. Tiens, prends le hybride là. Okay. Tu n'as pas besoin d'en faire. Voilà. Ils sont tellement neufs qu'on n'a pas enlevé le plastique encore. Mon papa est un peu déçu parce qu'il a reçu les clubs 2 jours après l'annonce du confinement. 2 jours. Donc, comme c'est avoir ce parcours-là et je peux pas, même pas jouer avec des nouveaux clubs. Voilà. Enfin, papa. C'est pas grave. On a quand même la vue sur le golf. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de visa. On va pas se plaindre. Je plains pas. Donc du coup, je plains le matin quand on fait le séance physique parce que je veux dire qu'il me fait mal. Il me fait très mal, mon fils. Voilà. Alors du coup, posture de golf. Ok. Allez. Alors donc le dos. Oui. Alors donc du coup, debout comme tu le ferais d'habitude. Ok. Est-ce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est en anglais, on appelle ça hip hinge. Je t'en ai parlé ce matin. Oui. Donc, c'est de tout de suite sortir un petit peu les fessiers. Et là, tout de suite, quand tu remarques ça, quand tu fais ça, regarde, le dos, il est tout de suite droit. Absolument. Ok. Ouais. Et donc, à partir de là, maintenant, tu as juste à laisser, en fait, aller passer les bras juste en dessous des épaules. Et à partir de là, tu es naturellement dans une bonne posture. Alors, il y a d'autres exercices qu'on peut faire, évidemment. Mais vas-y, refais-moi la position. Un peu de flexion. Non, mais
jambe. Donc déjà, là, on voit que tu vois, quand tu... En fait, c'est... Vas-y, redémarre à zéro, s'il te plaît. Donc ça, c'est très important, ça, le hip hinge. En français, je ne sais pas comment on le dit, mais vas-y, alors, juste le fait... Vas-y, fais ce que... Voilà. Le fait de tout de suite sortir les fessiers, on se retrouve automatiquement avec un droit, avec un dos qui est beaucoup plus droit. Quand la posture démarre d'en haut, c'est-à-dire que quand je me tiens droit et que je vais chercher le club avec le haut du corps, en général, ça arrondit le dos. Donc, ce qu'on veut, c'est tout de suite sentir que l'arrière de ma ceinture, là, juste derrière, en fait, le bas du dos, c'est tout de suite, boum, ça sort de cette façon-là. Tout de suite, on est dans une position beaucoup plus favorable pour avoir le dos bien droit et avoir une position beaucoup plus neutre. Alors, un autre exercice que tu peux faire, c'est mettre le club... Vas-y, démarre à zéro. Alors, je vais le faire cette fois-ci pour que les gens puissent voir mieux. Donc, en fait, de prendre le club et tout simplement, avec le bas du club, je vais le positionner juste au-dessus du bas du dos, donc juste au-dessus de la ceinture. Là, je vais prendre la main droite, donc la main gauche qui tient le club, la main droite qui vient prendre l'arrière derrière la tête, en fait, qui on prend le club ici. Donc là, maintenant, j'ai la main et le club qui sont collés contre ma tête, contre l'arrière de ma tête. Et à partir de là, je vais faire la même chose que je vous ai montré sans club. C'est juste qu'avec club, vous avez un feedback immédiat. Donc, c'est peut-être plus facile de le faire avec club dans un premier temps. Donc là, boum. Donc, c'est l'exercice que je viens de te montrer. On sort tout de suite, en fait, les fessiers. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher. Parce qu'évidemment, on ne va pas taper la balle comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher la main droite. Et là, je lâche la tête. Et maintenant, je me retrouve dans cette posture qui est vraiment très neutre. D'accord ? Donc, je refais à zéro encore une fois. Club. Club, vous voyez ici derrière le dos. Contre la tête. Je viens de prendre la main droite. Je sors les fessiers. Je lâche et je descends la tête. Ok, de face, ça ressemble à ça. Celui-là, là, boum, je sors, je lâche et je descends. C'est une position qui, en fait, quand on regarde, c'est très très simple à réaliser. Fais cet exercice, papa. Alors, tu sais ce que je vais faire, papa, c'est que fais cet exercice et je vais regarder s'il y a des commentaires. Oui, absolument. Et je vais faire quelques swings derrière parce que ça m'a permis de... Et après, je vais vous montrer trois alternatives dans votre backswing que vous pouvez faire pour contourner le fait que vous êtes dans un dos qui est légèrement arrondi. On a commencé par la solution dans un premier temps pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire depuis chez vous durant le confinement pour améliorer votre posture. Mais je vais vous montrer également, pour ceux qui ont un manque de mobilité, je vais vous montrer trois façons, trois petites clés que vous pouvez utiliser dans le backswing, inspirées de Jack Nicklaus, pour vous montrer comment lui, avec un dos légèrement arrondi, a gagné 18 majas. Okay, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Papa. Alors, je te laisse le micro si jamais tu veux. Ah oui, je ne sais pas comment je vais faire là, mais bon. Attends. Merci. Bon, on a. Ouais, de toute façon, l'audience va être super patient, super gentil. Ouais. Hop, voilà, je te le mets comme ça, maintenant tu peux parler. Super, ok, voilà. Oui, donc voilà. Donc, comme dit Louis, voilà, j'essaie de m'installer. Je sors un peu les fesses. Voilà, dos plat. Place le club. Voilà, effectivement, au début, ça me fait un peu étrange, je me fais avec les épaules un peu trop en arrière, je suis trop loin de la balle, ça me gênait un peu. Voilà, mais par contre, au niveau du backswing, je sens quand même beaucoup plus libéré pour tourner. Je peux vraiment amener mes épaules maintenant, beaucoup plus facilement à droite. Où avant, j'avais les dos quand même ronds. Là, effectivement, quand j'avais un peu de fatigue, j'ai monté là et hop, un petit tendance à remonter, quelque chose que je le voyais souvent dans les stages que j'ai fait, les élèves qui ont tendance à remonter. En général, c'était à cause de la mauvaise posture. J'étais le premier à dire, ah ben attention, la posture, elle n'est pas bonne, donc il faut travailler la posture. Et quand Louis m'a montré mon swing en vidéo, il m'a dit, voilà, tiens, regarde ton dos. Effectivement, c'est assez choquant de se voir avec cette mauvaise posture. Voilà. Donc voilà, hop. Place en arrière, place devant la balle. Et vous voyez comme je bouge aussi. Voilà. J'essaie de m'installer. Confortable, je fais du waggle. J'essaie de m'installer, de me sentir à l'aise. Parce qu'il n'y a rien de pire, c'est de prendre la posture et de ne pas bouger. Et voilà, ça y est, la posture est bonne. Et de démarrer statique. Donc n'oublie pas, je bouge les pieds. Je bouge un peu les mains. Voilà, j'ai des contracts. Dos plat. Et là, bien. Je peux bien tourner à droite sans problème. Donc attention, posture, premier balle, c'est le seigneur, toujours cette tendance à ronder un peu le dos. Peut-être c'est la fatigue, je sais pas, c'est le manque de, peut-être de force musculaire, quelque chose que j'essaie de rectifier avec le fiston. Mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que nous avons les petits commentaires, les petites questions?
Alors, pas de question, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour vous montrer trois alternatives que vous pouvez faire dans le backswing. Donc, je vais mettre le micro ici, parce qu'apparemment, des fois, le micro est un tout petit peu fort, ce qui est normal, parce que du coup, on est en train de s'amuser à changer le micro. Mais papa, si tu peux juste te mettre sur le... Bah, tu sais quoi, je vais garder le clé en main ici. Tu peux juste te mettre devant moi ici. Et là, je vais vous montrer, en fait, trois façons où vous pouvez, en fait, corriger une alternative. Donc, trouver une alternative, pardon, au fait que dans le backswing, si vous avez ce dos qui est légèrement arrondi, donc légèrement comme ceci, et que vous voyez que vous avez un manque de rotation, il y a trois choses que vous pouvez faire dans le backswing pour essayer d'aller chercher un peu plus de rotation. Alors, quand on regarde le grand joueur Jack Nicklaus qui a gagné 18 majeurs et qui avait son dos légèrement arrondi, on constate qu'il y a trois choses qu'il fait dans son swing pour lui permettre, en fait, de créer un maximum de rotation. À l'époque où il était dans sa grande époque, et d'ailleurs, il était considéré comme un des joueurs, si ce n'est pas le joueur le plus puissant du PGA Tour. Le Gordon Bay, il était quand même connu pour un joueur qui avait beaucoup de puissance. Donc, il y a trois choses que vous pouvez faire. Et je suis pas en train de dire qu'il faut faire les trois choses en même temps. La raison pour laquelle je voudrais vous montrer trois alternatives, c'est parce que peut-être qu'il y en a une sur les trois qui vont fonctionner et les deux autres vont pas. Mais en tout cas, je voudrais vous montrer les trois pour que vous puissiez les tester la prochaine fois que vous allez vous entraîner au practice. Et peut-être que vous allez voir que juste une des trois choses va vous aider. Peut-être que c'est deux sur trois. En tout cas, c'est, à mon avis, ce sera pas trois sur trois. Mais encore une fois, l'objectif de ces lives, c'est que c'est très généralisé, mais on essaye d'individualiser le plus possible. Donc voici trois choses que vous pouvez faire. Alors la première, c'est d'utiliser en fait le menton juste ici, pour que quand vous êtes dans votre backswing, en fait, vous tournez légèrement le menton quand vous démarrez. Alors, attention, parce que je dis tourner le menton et pas tourner la tête. Il y a cette fausse notion quand on dit il faut pas bouger la tête dans le backswing. Moi, je suis tout à fait contre ça, d'accord? La personne qui dit il faut pas bouger la tête, à chaque fois que j'entends ça, je dis non, c'est une croix, il faut absolument aller de tout ça, d'accord? Ça, c'est fini, cette époque-là. Donc, moi, ce que j'aime bien penser, c'est que quand on a la tête, en fait, qui va démarrer le backswing, ou quand on a le corps, pardon, qui va démarrer le backswing, ce qu'on veut, c'est qu'on a le menton qui va légèrement venir décaler à la droite. Et remarquez que ce n'est pas la tête qui décale latéralement vers la droite, c'est vraiment le menton qui va juste faire ce petit mouvement ici. Vous pouvez le voir peut-être par la casquette. La casquette se bouge de cette façon-là. Donc la tête, en fait, en quelque sorte, reste très mobile. Et c'est le menton qui va venir faire ça. Alors, c'est une petite astuce, mais je vous promets que ça peut vous permettre dès la première partie du backswing, dès que vous faites ça, ça va vous encourager à avoir ce mouvement beaucoup plus fluide, parce que le corps va naturellement et instinctivement suivre le mouvement de ce menton. Si le menton il va là, vous voyez là, ça paraît pas très naturel. Par contre, si le corps suit le menton, vous voyez de cette façon-là, j'ai envie de tourner un peu plus avec le menton, chose qui peut vous aider. Ça, c'est la première chose, c'est un petit détail, mais ça peut vraiment faire la différence. La deuxième chose que vous pouvez faire, le classique de Jack Nicklaus, une de ses signatures de swing, c'est à la montée, c'est de vous servir de votre jambe d'appui, donc le jambe gauche, lever un peu le talon gauche dans la montée, qui va vous aider à créer un peu plus de mobilité dans le backswing ici, juste de cette façon-là. Et ça, ça vous permet, pareil, de contourner un petit peu cette problématique de posture en C, de créer un peu plus de rotation dans le backswing ici. Donc, pareil, une chose que Jack faisait très très bien, c'était lever le pied gauche. Alors, la raison pour laquelle c'est en deuxième position après le menton, c'est que cet exercice-là vous demande un peu plus de maîtrise au niveau du tempo, au niveau du rythme, d'accord? C'est quelque chose qui, dans un premier temps, si vous n'avez pas l'habitude, ça va être un petit peu difficile à faire parce que vous allez avoir du mal à lever la jambe d'appui et la reposer au bon moment. Donc, parce qu'il faut bien, voilà, quelque chose que Jack faisait bien, c'est qu'il levait le pied gauche à la montée, mais dans la descente, il arrivait à le poser au bon moment pour lui permettre de générer un maximum de puissance. Donc, excellent exercice à la montée, servez-vous de ce pied gauche, si vous avez un dos légèrement arrondi, levez le pied gauche pour vous permettre de créer un peu plus de rotation. Et ça m'amène à la troisième chose que vous pouvez faire dans votre backswing, c'est de juste redresser un peu cette jambe droite dans la montée, qui pareil, le fait de redresser cette jambe droite, qu'est-ce qui se passe quand je la redresse? Quand je la redresse, ça ouvre les hanches. Et quand je ouvre les hanches de cette façon-là, bah ça ouvre ou ça me laisse la possibilité d'avoir un peu plus de rotation dans le backswing. Vous voyez comment, quand je redresse la jambe droite, boum, là maintenant, je commence à avoir une meilleure rotation en backswing ici. Donc, le fait de faire ça, si j'associe les trois ensemble, c'est le mouvement, c'est le backswing de Jack Nicklaus. On a le pied gauche qui se relève, la jambe droite qui se redresse et le menton qui tourne en même temps. Et ça donne le backswing de Jack Nicklaus. Voilà. Et c'est comme ça que Jack arrivait à contourner ce dos qui était légèrement arrondi, et qui lui permettait de créer et générer un maximum de puissance. Si vous êtes un joueur senior, essayez par l'aspect numéro 1 en premier, menton, après le pied gauche, après la jambe droite qui se redresse. Peut-être qu'il y en a deux sur les trois qui ne marchent pas, mais de toute façon, voilà, je préfère vous l'annoncer tout de suite. Il faudra essayer et tester au practice la prochaine fois que vous allez taper des balles. Mais même de chez vous, entraînez-vous
avec les quatre exercices du coup qu'on vous a proposé. Cinq exercices qu'on vous a proposé. On a proposé le premier pour le test de la posture, rappelez-vous, d'accord? Donc je fais un petit récap rapidement. Le test de la posture, donc là les mains sur les épaules, dos arrondi, rotation limitée. Maintenant dos bien droit, j'incline, mains sur les épaules et là maintenant rotation beaucoup plus fluide. Ça c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est de le faire sur une jambe. Là, avec le dos bien droit, et de travailler en fait 10 rotations dans le backswing, et ensuite 10 rotations dans le downswing sur la jambe droite. Tout ça, vous pouvez le faire, honnêtement, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le faire une centaine de fois par jour, ça va que vous faire du bien. Et favoriser des swings à chez vous, hein, sans chaussures. Essayez cet exercice sans chaussures, ça va réveiller les propriocepteurs, et vous allez beaucoup plus ressentir les choses en dessous des pieds. Et plus vous allez renforcer les pieds, les mollets, les jambes, bah plus ça va être facile quand vous allez mettre des chaussures de golf. Quand on met des chaussures de golf, ça a tendance à nous aider. Et ce qu'on veut, c'est aussi travailler en dehors. Okay, c'est top qu'on a de l'aide des chaussures de golf, mais quand on travaille comme ça à la maison, c'est aussi top de travailler sans. On a l'exercice de la posture, d'accord, pour checker si la posture est bonne. Donc club juste en dessous avec la main droite ici. À partir de là, je vais venir incliner. Boum, et là, je suis dans la bonne posture. Ok. Et on a les trois astuces de Jack Nicklaus. Donc, dans le backswing, on vient bouger légèrement le menton, okay, pour nous favoriser ou avoir une meilleure rotation un peu plus fluide dans le backswing. On a la jambe gauche qui va venir, ou le pied gauche qui va venir se relever dans le backswing pour vous permettre d'avoir une meilleure rotation du bas du corps, ce qui en retour va vous aider à avoir une meilleure rotation de tout le corps. Et on a la jambe droite qui se redresse dans le backswing, qui va venir vous mettre dans une position au sommet du backswing, où là, du coup, vous avez une rotation optimale. Les trois clés, les trois astuces de Jack Nicklaus, ça a marché pour lui, ça peut marcher pour d'autres golfeurs. Alors, je vais finir ce live parce que du coup, ça fait presque une demi-heure qu'on est ensemble. L'objectif de ces lives gratuits cette semaine, c'est qu'on passe sur un format beaucoup plus court, 30 minutes, avec peu de questions-réponses, parce qu'en fait, maintenant, on les réserve sur le live premium qui va avoir lieu ce vendredi, donc à 18h. Pour ceux qui ont vu les vidéos passées, n'hésitez pas à vous inscrire. La thématique de ce live premium est uniquement consacrée à la puissance. Donc, si vous voulez taper la balle plus loin, en fait, on va vous offrir quelques plans d'entraînement, enfin, quelques séances d'entraînement que vous pouvez faire depuis chez vous avec quatre spécialistes qui sont là. Donc, il y a moi-même, il y a Guillaume Biojo qui est le directeur d'Altus Performance qui vous parlera de l'aspect technique. Qu'est-ce qu'il faut faire durant votre swing au niveau de votre corps et au niveau du club pour générer un maximum de vitesse de club et un maximum de vitesse de balle au niveau de la frappe. Les deux choses vont vous aider à taper la balle plus loin. Moi, je vais vous donner des exercices à faire que vous pouvez faire de chez vous durant le confinement pour vous aider à créer un peu plus de puissance au niveau du corps. Si le corps est plus fonctionnel, le swing est plus fonctionnel. Il y a Jérémy Bréchot qui est là, le préparateur physique d'Altus Performance, qui va vous donner les clés d'une bonne préparation physique pour taper la balle plus loin. Et puis, on a également Benjamin Cadio, spécialiste en matériel, qui sera là pour vous aider à choisir le bon driver. Alors, quand je dis bon driver, ce n'est pas forcément la marque, c'est quelles sont les caractéristiques que vous devez regarder quand vous cherchez un driver pour taper la balle plus loin. Okay, donc on a 4 personnes qui seront là ce vendredi, 18h à 19h30, ça dure 1h30. Pour vous inscrire, je crois qu'il y a Rémi Rivière qui a la technique et la régie derrière ce live que je remercie, qui a posté un lien pour vous inscrire. C'est un événement en fait privé, donc pas tout le monde aura accès, c'est uniquement les personnes qui s'inscrivent qui auront accès. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page et là vous allez voir que vous avez toutes les infos sur la page de l'événement. J'espère vous retrouver très rapidement ce vendredi, et sinon papa, nous on sera de retour la semaine prochaine pour un autre live senior. Chaque semaine on va essayer de faire un live senior de 20-30 minutes. J'ai hâte. La semaine prochaine, t'as une petite idée déjà de ce que tu voudrais faire? Je crois que toujours un peu sur les bases, j'aimerais voilà, peut-être parler aussi de la puissance, peut-être comment pas avoir la puissance pour les seniors. Voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir de taper la balle. Peut-être pas aussi loin qu'on était jeune, mais bon, pas mal quand même. Top. On va travailler également sur le petit jeu, le long swing. On a des choses qui arrivent, on a beaucoup de matériel qui arrive dans les 5 prochains jours de la part des partenaires du Journal du Golf. Durant le confinement, on a vraiment des partenaires qui ont répondu présent et qui ont voulu participer à ces lives avec nous. Donc on reçoit pas mal de choses dans les 3-4 prochains jours. Et vous allez voir que nos installations vont au fur et à mesure évoluer dans le temps. Même si on a une magnifique vue ici du trou numéro 7, on va quand même avoir accès à plus de choses. Je vous en dis pas plus, on va laisser le secret. Papa, merci beaucoup, c'est un plaisir, merci comme cet été. Et puis la semaine prochaine. Et puis nous, on va travailler. Vous nous dites au fur et à mesure des semaines si on commence à mincir un peu, parce qu'on a pris un peu durant le. Enfin, moi, j'ai pris durant le premier confinement. Ouais, moi aussi. Et là, du coup, on va faire un petit cardio. Séance de cardio. Là. Saison 2. Saison 2. Confinement 2, saison 2. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci.